Aussi Mandelstam est bien évidemment un des grands poètes, sinon le plus grand poète russe du XXe siècle. Lorsque j'ai commencé à m'intéresser à lui, ça remonte déjà bientôt une cinquantaine d'années, puisque j'ai appris la langue russe pour le traduire, et pour le lire d'abord, et pour le traduire. Au départ, je le lisais dans la langue allemande, dans la traduction remarquable qu'en a faite Paul Celan. Et donc, ça ne m'a pas suffi, j'ai été subjugué par cette poésie, j'ai voulu l'approcher directement. Voilà pourquoi j'ai commencé à faire des traductions, dès que j'ai commencé à, non pas à maîtriser, mais à avoir des notions de russe. Qui laissait évidemment fort à désirer, puisqu'il s'agit tout de même d'un poète assez difficile à pénétrer et à comprendre. J'ai intitulé mon introduction au poème « Cheminer vers l'obscur », justement pour aller dans ce sens et essayer de garder au texte primitif toute son intégrité sans me référer au côté anecdotique du poème, qui existe aussi et qui a été, dans l'édition, mise à jour par Anastasia de La Fortelle, qui a non seulement revu ma traduction et lui a donné une certaine rigueur, mais qui aussi a rédigé des notes très éclairantes sur Mandelstam lui-même et sur la naissance de ses poèmes et sur les significations qu'on peut leur donner. Dans mon travail de traduction de la prose, j'ai essayé d'être le plus littéral possible et aussi le plus clair possible. Dans mon travail sur la poésie, j'ai privilégié le rythme. Sa poésie est non seulement une poésie qui contre le temps, mais c'est une poésie qui parle à toutes les époques et finalement à toutes les civilisations, à toutes les paroles de poésie qui sont ses sœurs, pour ainsi dire.